Ça y est, les choses sérieuses commencent. La phase de poule de la Coupe du Monde de rugby, démarrée le 8 septembre dernier, est terminée, faisant donc place aux quarts de finale ce samedi 14 et ce dimanche 15 octobre. Des matchs à gros enjeux donc, qui vont attirer du beau monde, que ce soit au Stade de France ou au Stade Vélodrome. Le prince William et Kate Middleton seront présents à Marseille durant ce week-end sportif puisque l'aîné du roi Charles III assistera à la rencontre entre le pays de Galles et l'Argentine ce samedi à 17h, tandis que son épouse encouragera l'Angleterre face aux Fidji dimanche à la même heure. Et si ces événements se passent sur deux jours différents, le tandem royal ne les partagera pas pour autant côte à côte. Mais pourquoi? Comme l'indique Paris Match, les héritiers de la couronne feront chambre à part durant leur passage en France afin de ne pas empiéter sur les plates-bandes l'un de l'autre. Car si les époux assistent régulièrement à des événements sportifs ensemble, parfois même accompagnés de leurs enfants, la Coupe du Monde les renvoie à leurs fonctions et titres respectifs, incompatibles. Devenu patron de la Welsh Rugby Union à la fin 2016, succédant ainsi à sa grand-mère, la défunte Elisabeth II, le fils aîné de Charles III ne peut être présent au match des Anglais. A l'inverse, Kate Middleton est marraine de la Fédération britannique de rugby et de l'équipe nationale depuis février 2022. Deux titres précédemment portés par le prince Harry jusqu'en 2020. Supérieur à Kate et William, geste tendre, main sur les fesses, ces 30 fois où ils ont flirté en public William et Kate redorent leur blason après la Coupe du Monde de football féminin par ailleurs, le power couple britannique doit savoir partager son temps pour offrir au Royaume-Uni le meilleur rayonnement possible. La présence ultra médiatisée de William et Kate outre-Manche, de plus, une manière de faire oublier à leur peuple la polémique déclenchée par leur absence en Australie pour soutenir les Lionesses en août dernier. L'équipe nationale féminine de football était en effet arrivée en finale de la Coupe du Monde, face aux Espagnols, finalement victorieuse. Le prince de Galles, président de la Fédération anglaise de football, avait alors encouragé les sportives à distance, avec sa fille Charlotte, via une vidéo postée sur les réseaux sociaux. La première fois que le duc et la duchesse de Cornouailles s'étaient rendus en France de manière officielle, c'était en mars 2017, pour supporter l'équipe du pays de Galles face à la France, en clôture du tournoi des Six Nations. Crédit photo, agence.